Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, bonsoir au monde musulman. Bonsoir à tous les fidèles musulmans du monde. Bonsoir la famille TikTok. Je suis là aujourd'hui encore pour parler un peu sur la religion musulmane. Car nous sommes dans le mois 5 du Ramadan. Ce mois 5 est un mois de piété, un mois de pardon, de communion. Dieu, je remercie le Tout-Puissant Allah qui m'a donné la santé et à ce que je tiens ce mois de carême. Donc, je le prie encore de continuer à me donner la santé, donner la santé à tout un chacun, à tous les fidèles musulmans, afin de pouvoir continuer ce mois de carême du début jusqu'à la fin. Alors, nous allons parler un peu sur le Ramadan. Je ne suis pas un théologien ni un spécialiste de la langue arabe. Mais bon, selon mes recherches du jour, je vais un peu parler sur le Ramadan. Alors, le Ramadan est le 9e mois du calendrier hégrien. Seul mois dont le nom est dans le Coran. Le Ramadan est pour les musulmans le mois 5 par excellence, car il consiste le mois de jeûne. En arabe, le jeûne, on appelle Saoum, et contient Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est la nuit du destin, la nuit dans laquelle nous cherchons. Nous cherchons un seul jour qui est le jour où le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, le jeûne du mois de Ramadan consiste l'un des cinq piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans, c'est-à-dire les adultes et les enfants, ayant atteint l'âge de la puberté, selon les principes de l'islam, ne doivent pas manger, ni boire, ni entretenir une relation sexuelle de l'aube au coucher du soleil. Le Ramadan est considéré comme le mois de la charité. La charité, c'est de donner et de recevoir. Puisque quand on donne, on reçoit quelque chose de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous récompense. Donc il faut donner, continuer à donner. Surtout dans ce mois de pénitence, tout le monde n'a pas les mêmes moyens de s'acquitter de ses besoins. Donc alors il faut donner, c'est très bien. Dieu vous récompense. Lorsqu'il s'asserve, encore, le fidèle doit s'acquitter d'une aumône, la zakat. La zakat, tout le monde sait qu'à la fin de ce mois de Ramadan, on doit donner de l'aumône. Le Ramadan est aussi le mois au cours duquel de nombreux autres événements importants de l'histoire de l'islam sont commémorés. Alors, mes chers frères, amis et musulmans du monde, je vous dis bonne fin de journée. Bonne rupture à tout le monde, bonne rupture à tout le monde et bon Ramadan, qui est Dieu nous donne longue vie, qui Dieu nous donne les moyens de continuer sur le Ramadan. Wassalam.